Je souhaite la bienvenue à ce point de presse qui sera consacré aux opérations d'expropriation en cours dans notre pays. Et ce point de presse se déclinera en sept volets. Dans un premier temps, nous allons rappeler ce que c'est que l'expropriation. Ensuite, nous aborderons le regain d'intérêt des populations à cette expropriation, surtout vu sous l'angle des appréhensions et surtout sur ce que cela apparaît comme une certaine nouveauté aux yeux de certaines populations. Après cela, nous allons parler des principes qui régissent les opérations d'expropriation, sans oublier de mettre en exergue les tests sur les bases desquelles les opérations se déroulent. Nous allons également toucher un aspect important qui est relatif aux différents sites concernés. Nous allons après aborder de manière spécifique le cas des 80 hectares de Togmin et les principes qui régissent, je l'avais dit, enfin, ce sera un mot de fin. Mais il faut dire qu'il y a certaines populations qui récriminent avoir des difficultés pour être reçues. Donc, par les autorités en charge de ces opérations. Nous allons donc, à cet effet, donner quelques conseils pour que ces populations puissent, bien entendu, pouvoir porter leurs préoccupations. Cela étant, qu'est-ce que c'est qu'une expropriation? Conformément au test, l'expropriation est une procédure par laquelle l'autorité publique accède au foncier au travers d'une dépossession. Et c'est cette opération qui permet à cette autorité publique de réaliser ses projets, de procéder à des aménagements urbains et de réaliser beaucoup d'autres infrastructures, également entre autres la construction des routes et la réalisation d'infrastructures de développement. Cette cession forcée qui permet donc d'obtenir le transfert de la propriété d'un bien appartenant à une personne physique pour le compte d'une autorité publique, à savoir l'État ou une collectivité territoriale, est prévue et organisée par les tests. C'est prévu parce que l'État ou les collectivités territoriales doivent pouvoir réaliser des projets pour le compte de la communauté. Et pour les pays qui n'ont pas consacré le régime de la domanialité publique, c'est-à-dire où les terres appartiennent à l'État, les tests depuis la Constitution ont prévu les mécanismes suivant lesquels ces personnes morales de droit public, en l'occurrence l'État central et les collectivités territoriales, puissent accéder au foncier pour le bien de tous. Donc l'expropriation, c'est l'un des deux outils de maîtrise foncière qui existe, le second outil étant la préemption. Nous n'allons pas en parler dans le cadre de cette rencontre. Donc cette expropriation obéit à des principes et repose sur des règles, des bases et des tests. Les principes. Il faut dire que l'un des principes de l'expropriation, c'est la discrétion qui est dévolue à l'autorité publique de dire ou de décider de quel endroit, quel périmètre, quel site peut bien entendu faire l'objet d'aménagement. Donc, de manière discrétionnaire, les tests ont prévu
que l'autorité puisse exercer un pouvoir d'autorité. Et ce pouvoir d'autorité se rapporte à sa volonté exclusive de déterminer quelle est l'opportunité d'expropriation dans telle ou telle zone. Deuxième principe, c'est la durée. Parce que souvent on entend dire que les opérations vont vite. Effectivement, ces opérations vont vite parce que il y a des personnes qui font accroire à d'autres en disant que, eh bien, ces opérations ou ces aménagements n'auront pas lieu. Or, il est encadré par l'article 217 du Code foncier domanial, la procédure. Donc, la procédure d'expropriation est enfermée dans un délai de 12 mois. Au-delà duquel, sur le principe, il est considéré comme si l'autorité expropriante a renoncé à l'expropriation. Donc, tout se décline sur un chronogramme. Mais que se passe-t-il que depuis un moment, les populations nourrissent beaucoup plus d'intérêt, ou que nous observions un regain d'intérêt vu sous l'angle de quelques appréhensions pour la notion d'expropriation. Il faut dire d'entrée que les opérations d'expropriation, particulièrement le regain d'intérêt des populations, est symptomatique et illustratif de ce que le pays est véritablement en modernisation et en chantier, pour deux raisons. La première raison, c'est que pendant longtemps, les populations n'ont pas été habituées à l'expropriation, ce qui peut se comprendre qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'ambition et que les réalisations qui étaient faites n'étaient pas de grande envergure comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que nous avions été habitués pendant longtemps à des éléphants blancs. Et cela continue toujours d'animer certains de nos compatriotes que, eh bien, cette infrastructure ne se réalisera pas. Mais comme il est aujourd'hui une réalité, que le gouvernement actuel a beaucoup d'ambition pour le pays, et que le président Patrice Talon a un vaste et ambitieux projet, programme d'action, eh bien, tout le Bénin, tout notre pays est en chantier. C'est ce qui explique que partout, nous avons des opérations de libération des sites. Soit dit au passage que les travaux, les infrastructures, les projets, ne se réalise pas en apesanteur, donc pas au ciel, mais sur la terre. Et donc, il faut libérer les emprises ou les servitudes sur lesquelles ces projets doivent être réalisés. Tenez, uniquement pour le projet pipeline Bénin-Niger, ou si vous voulez, qui quitte le Niger pour Cotonou, particulièrement pour Sémakoudi, nous avons 18 localités qui sont impactées en termes de dédommagement. Je me permettrai de les citer. Nous avons à Diawere, nous avons à Diara, nous avons à Vrankou, Bembereke, Gogoun, Ifani, Kandi, Ketou, Malanville, Ndali, Wessé, Parakou, Obé, Sakete, Savé, Semekoji, Tchaourou. C'est dans toutes ces localités qu'exclusivement ou uniquement pour le projet pipeline, les populations sont expropriées. Ensuite, nous avons d'autres projets qui nous amènent à libérer les sites. À Parakou, à Natitengou, à libérer les sites, à Lada, à libérer les sites à Bomekalabi, notamment à Glodigbe, que vous savez, vous connaissez très bien, à Kansumpa. Et nous le faisons également dans la commune de Ouida, à Rozon, nous le faisons à Vlekete, nous le faisons à Djegbadji, nous le faisons également à Togmen, et ainsi de suite. Vous comprendrez donc que c'est des opérations qui se déroulent un peu partout. Et comme je l'ai dit tantôt, il vous souviendra, le Bénin et tout le Bénin est en chantier. Alors,
Il faut comprendre que les opérations d'expropriation qui se déroulent sur la base d'un principe fondamental qui est l'équité et l'égalité de tous les citoyens. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de particularité pour certaines zones d'expropriation. Tous les citoyens sont traités de la même manière. Il vous surprendra que moi-même qui suis devant vous, je suis une personne affectée par projet. Je suis exproprié dans le cadre de la réalisation du marché de gros à Kansumba. Je voudrais vous dire que ces localités dans lesquelles ces opérations se déroulent sont nécessaires pour abriter les 10 projets. C'est notamment le cas de 80 hectares qui sont situés à Togbe. En réalité, de quoi s'agit-il ? Il y a eu une décision du gouvernement allant dans le sens de rectifier des coordonnées parce que en 2006, il y a eu la prise d'un décret portant déclaration d'utilité publique et de classement d'une zone à vocation touristique exclusive dite de la route des pêches allant de fin pavé Fidjrousse jusqu'à Ouida après Avlekete, à Degwe. Il se trouve que ces coordonnées, avec la modernisation de l'administration foncière et domaniale qu'opère le gouvernement du président Patrice Talon, lorsqu'on les projette dans un système de géoréférencement moderne, embrasse beaucoup d'autres localités, dont notamment Fidjrousse, Fieyon 1, Fieyon 2, Togbe. Le gouvernement, pour faciliter et permettre aux populations de pouvoir formaliser les actes fonciers, a été amené à procéder à un repositionnement de ces coordonnées. Je précise que ça n'a rien à voir avec l'expropriation. Et à cette occasion, effectivement, je suis sorti pour expliquer que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales du gouvernement, que le gouvernement a été amené, bien sûr, à déclasser cette zone pour permettre aux populations, ce qui a été le cas de Fidjrousse, de Fieyon 1, de Fieyon 2, de Togbe, à pouvoir accéder, bien entendu, à des actes fonciers. Je dis que cela n'a rien à voir avec l'expropriation parce que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que l'expropriation. Et toute velléité à vouloir arrimer le déclassement, le repositionnement des coordonnées à une opération d'expropriation est malvenue, pour vous faire plus correct. De ce point de vue, effectivement, il y a une partie, et c'est ce qui malheureusement n'est pas compris des population, il y a une partie de la zone 4. Qu'est-ce qu'on appelle zone 4? En fait, dans le cadre des opérations de lotissement, c'est-à-dire d'aménagement urbain, il y a une déclinaison en zone pour permettre à passer des marchés et permettre à des géomètres experts de se voir attributaires des périmètres sur lesquels ils vont pouvoir opérer. La zone titre 4, en fait, c'est une zone qui, dans le cadre du repositionnement, a été scindée en deux, ce qui, malheureusement, ne se fait pas révéler. C'est-à-dire, le périmètre zone 4 a été coupé en deux. Et normalement, le fait, pour des raisons de restructuration de projets d'aménagement, que la zone qui devrait être exclue de l'expropriation entre-temps commencée, normalement, disais-je, tout le monde devait œuvrer dans un esprit d'équité à ce que sur un même périmètre, on n'ait pas deux situations juridiques différentes. C'est-à-dire, sur un même périmètre, il y a une portion, donc une première moitié, qui va faire l'objet d'expropriation, alors qu'une seconde moitié ne fera pas l'objet d'expropriation. Vous savez que c'est
traiter les citoyens à double échelle. Et par le concours des circonstances, cette situation qui était une sorte d'anomalie a été réglée. De sorte que tous ceux qui sont concernés par le lotissement et le sous-lotissement zone 4 sont aujourd'hui concernés par les opérations de dédommagement. La dernière fois, il y a eu un communiqué qui a été signé par le président de la commission que je suis pour inviter les retardataires à déposer leur dossier. Et pour cause, je vous ai dit, il vous souviendra, que les opérations se déroulent dans un délai de 12 mois. Lorsque la première vague a été lancée, beaucoup ont déposé leur dossier. Mais on s'est révélé, quand nous avons projeté ceux qui ont déposé sur une cartographie, on a vu qu'il y a également encore des gens qui restaient. Donc, il fallait donner encore l'opportunité à titre dérogatoire à ces personnes de pouvoir déposer leur dossier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand le communiqué est passé, en 48 heures, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Je voudrais alors donc nous rappeler les bases légales suivant lesquelles ces opérations se font. Premièrement, il s'agit de notre Constitution, particulièrement de l'article 22, qui, après avoir posé le principe de la propriété, a prévu le mode dérogatoire qui touche le caractère sacré et inviolable de la propriété en posant le principe de l'expropriation. Et donc, en dehors de ce article de la Constitution sur la base duquel s'opèrent les opérations d'expropriation, il y a les articles 211 et suivants de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant régime foncier en République du Bénin et code foncier domanial. Et c'est sur la base de ce test, avec la loi 2017 l'ayant modifié ou amendé, que les opérations d'expropriation se déroulent au Bénin. Il y a des tests dérivés qui sont des tests réglementaires. Je voudrais citer donc le décret 2015-013 qui organise les commissions d'enquête de commodo et d'incommodo de dédommagement et d'expropriation en République du Bénin. C'est sur la base de ces différents tests que les opérations d'expropriation se déroulent dans notre pays. Il arrive que certaines populations ont effectivement du mal à être reçues parce que, d'une part, et ça c'est un aspect que je voudrais souligner en exhortant les populations à comprendre comment ça fonctionne afin d'être reçues. Généralement, ces populations se disent s'organiser en collectif. Vous savez, lorsque vous êtes en collectif, les tests de la République organisent les capacités et les qualités pour agir en tant que collectif. La première chose, il faut se constituer en assemblée générale pour une légitimation des personnes devant parler au nom des autres. C'est ce qui fait que souvent, quand certaines personnes viennent et se font passer pour les porte-parole, d'autres remettent en cause pour dire celui-là ou tel n'est pas mon porte-parole et je n'ai pas souvenir de l'avoir désigné. Donc il faut une légitimité. Je voudrais donc exhorter les populations à sacrifier à cette tradition juridique qui consiste à organiser une assemblée générale. D'autre part, il faut se faire enregistrer pour avoir la capacité et la qualité à agir. On est dans un état de droit. Et un état de droit repose sur un contrat social. Et qui qu'on soit, on est assujetti aux mécanismes juridiques qui régissent la vie en communauté, d'ensemble. Je n'ai point de doute que c'est par
mes connaissances des tests qui organisent ces modes d'action que parfois ces populations sont prises à défaut. Je voudrais donc les exhorter à satisfaire à ces formalités qui leur confèrent une plénitude de capacité et de qualité à pouvoir parler au nom d'autres personnes. Cela étant, je voudrais à présent adresser un mot à l'endroit des populations concernées pour dire d'abord que les instructions qui nous ont été données, les orientations permanentes suivant lesquelles nous agissons, se rapportent d'abord à la nécessité de faire une expropriation à visage humain. Et la hiérarchie veille scrupuleusement à ce que les opérations se déroulent à visage humain. Et d'ailleurs, nous autres qui sommes chargés de conduire ces opérations ne sommes pas des êtres différents. C'est le même sang qui coule dans nos veines, dont nous pouvons bien comprendre et surtout éprouver ce qui peut être une appréhension ou un ressenti d'une population. C'est pour ça que nous faisons nos opérations dans un visage qui alterne la nécessité de prise en compte de certaines préoccupations des populations avec une écoute et qui concilie l'obligation de pouvoir satisfaire aux exigences légales. De ce point de vue, je voudrais donc les rassurer que les appréhensions et les préoccupations qui sont exprimées ne sont pas délaissées, mais sont étudiées de manière parcimonieuse dans le sens de leur prise en compte pour qu'au mieux leurs intérêts soient préservés. Et aucune opération fut-elle de développement ne peut se faire en éludant l'humanité. Et c'est sur la base de ça que nous faisons ces opérations en veillant à ce que, in fine, ces personnes puissent se retrouver dans la finalité de ce qui est fait en termes d'infrastructure ou de réalisation. Deuxième chose, je voudrais inviter les populations à davantage comprendre que les opérations d'expropriation sont individuelles. Parce que parfois, pour diverses raisons et des enjeux que on ne maîtrise pas souvent ou toujours, il y a des gens qui cherchent à les rassurer que rien ne sera fait. Certainement à raison, parce qu'habitué par le passé, je l'avais dit, à des éléphants blancs. Mais vous l'auriez compris, il n'y a plus d'éléphants blancs. Il nous faut un reparamétrage. Il nous faut reconfigurer nos paramètres en comprenant désormais que le paradigme n'est plus orienté vers l'absence de résultats, mais plutôt vers la réalisation dans la concrétude. C'est ce qui justifie le fait que les populations aujourd'hui sont satisfaites, assurées, heureuses de voir toute la transformation qui se déroule dans notre pays et dont ces populations sont des contemporains. Je terminerai en disant, il m'a été donné d'aller dans la GEDIS, donc la zone industrielle de Glodipé. Je ne vous le cache pas, j'ai eu la chair de poule, parce qu'au démarrage de ces expropriations, j'étais à mille lieues d'imaginer quel type d'infrastructure serait mise en place. Et quand je vois le nombre d'emplois, je vois le nombre de jeunes qui sont employés, qui ont un métier, qui travaillent à l'intérieur, je suis tellement heureux d'avoir contribué aux côtés d'un leader qui a la vision de développer, de moderniser notre pays. Je voudrais donc savoir compter sur les populations pour qu'elles accompagnent cet élan de développement. Nous allons davantage mettre en place un mécanisme d'écoute permanente à l'endroit de ces populations qui permettra de recueillir au fur et à mesure, au jour le jour et à chaque seconde,
leurs préoccupations pour qu'effectivement elles puissent participer à cet élan de développement, de transformation de notre pays dont l'histoire parlera, mais dont nous sommes les historiens du présent. Je vous remercie.